Et ben voilà, on est en direct de Valberg. Je suis mandaté par le GSNIS pour faire un point météo. Une nouvelle rubrique pour le site, pour le Zabjim. Et demain, il fera très très chaud du côté de Nancy. Non. Brest. Non. Non, bah écoutez, on est à Valberg, donc à la rencontre des supporters à la montagne. Ah, c'est super, vous vous rendez compte, le camp de l'OGC Nice, c'est en pleine montagne, au milieu de la neige. Les enfants sont heureux, ils quittent leur ski, ils viennent côtoyer les anciens. C'était une grande fête pour eux, quoi. Là, on est à Valberg, on va skier, etc. Et on vient voir Nice, hein. Toujours supporté, l'OGC Nice. Roger a joué avec mon grand-père, José Dugal Montagnoli, qui jouait à l'OGC Nice. Et du coup, c'est content de voir Roger et de parler de mon grand-père avec lui. T'avais déjà joué au foot en neige ? On bat les c***. À qui appartient la carrière ? Toulouse, Barcelone, Schalke. Pour Delphine. Merci. Une vraie supportrice qui habite ici, Valberg. Ouais. Et tous les matchs, sans aucune exception, toute compétition confondue. Et moi, je dis toujours que supporter, c'est comme un mariage, c'est pour le pire et pour le meilleur. On voit beaucoup de supporters qui ont côtoyé déjà, je discutais avec une dame il y a 8 ans, donc content de les retrouver, de discuter, de se rappeler quelques souvenirs. Voilà, de partager un petit moment sympa cet après-midi. Je suis ici à Valberg, où l'OGC Nice a décidé de venir implanter son village pour faire découvrir à tous les vacanciers notre beau club autour de belles animations où les enfants pourront participer à des jeux ludiques et également rencontrer des anciens joueurs, je pense notamment à Roger Jouve, à Jérémy Pied ou à Romain Genevoix, pour une belle séance de dédicaces. L'OGC Nice, c'est le club phare de la Côte d'Azur. C'est notre club historique, mais ce n'est pas le club de la ville de Nice. C'est le club du comté de Nice, de l'ensemble des Alpes-Maritimes. Alors qu'ils viennent à la rencontre de ses supporters dans toutes les communes des Alpes-Maritimes, c'est important. L'OGC Nice, c'est la meilleure équipe. Nissa, Nissa. Nissa, Nissa. Aux féminines, donc à nous. Moi, je trouve que c'est une belle initiative, notamment pour développer notre visibilité et pour permettre aux supporters de l'équipe masculine de venir supporter l'équipe féminine. Immense plaisir, parce que bon, déjà notre épopée de Coupe de France, c'est un souvenir indélébile. Moi, c'est la deuxième fois que je reviens ici, sur ce stade, et l'occasion de revenir, ça permet aussi de revoir des visages que je n'ai pas vus depuis très longtemps. Donc moi, j'ai la famille sur Nice. Ces dernières années, je n'ai pas trop eu l'occasion de venir sur Nice, mais de voir un outil pareil, moi qui ai connu le stade du Ré, l'ancien centre de formation, bon voilà, ça fait plaisir de revenir dans un club qui a évolué de cette manière-là, et de voir que voilà, le club se porte bien. Chapeau au club, chapeau aux supporters qui ont vraiment la chance d'avoir un club, en tout cas de ce niveau-là. Alléluia, un mot pour nos supporters. Issa Nissa ! Bonjour les jeunes ! Ça va ? Merci. Il est timide. Bon, peu de bruit pour Pablo, il est timide. On est là également pour accomplir des rêves. Et B United était à Nice il y a quelques semaines. Nous avions rencontré Rogers qui nous avait fait hurler de rire ce jour-là. Il est soutenu par le programme Enfants sans douleur depuis 2022, programme doyen des engagements solidaires de l'OGC Nice, bien sûr. C'est un programme solidaire. C'est un passionné de foot, Rogers, au-delà d'être supporter de Nice, passionné de foot et donc passionné de Kylian Mbappé. Et il est avec nous au bord de cette pelouse. On lui fait réaliser son rêve. Il est à côté de vous, Julien, parce qu'en
Saint-Voilien qui vient vrai réveiller. Oui, effectivement, c'est sa première au Parc des Princes à Rogers. On était en train d'en parler. Rogers, qu'est-ce que t'en penses ? C'est magnifique pour ta première ici. C'est magnifique. J'arrive même pas à parler tellement il y a du bruit. C'est magnifique. J'ai rencontré les joueurs de Paris, de Nice. Si on met toute notre chance pour qu'on gagne cette coupe, on gagne pour qu'on aille en Ligue des Champions. Et ben en tout cas, on te souhaite une bonne soirée. On va être avec toi toute la soirée. Moi, je te lâche pas et profite bien vraiment de cette première. Merci. Merci et bonne chance aux joueurs. Rogers qui était à l'accueil et à l'arrivée des joueurs tout à l'heure, regardez. Et va ? Ça va ? Ça va et toi ? Allez. Peut-être au revoir. Hein ? Allez, là, vas-y. Tu avec les mauvaises couleurs là. Hein ? Ça va ? Ouais. Allez, on se voit après le match. N'oublie pas qu'il est. Accélération de Boga qui se défait. Boga dans la surface. Boga dans la surface. Boga dans la surface. Boga dans la surface. Touché par Vitinha, le ballon en jeu. Frappe de la main. Oui. Le premier but, bah, c'est je vais presser le défenseur. Et puis après, bah, je vais au but et j'ai vu Terem à côté. Donc je me suis dit, j'attends derrière une minute pour après le mettre dans les meilleures conditions possibles. The first was a good pass for Mofaya, so I'm really grateful for this. Thank you.
here I come. Oh, here I come. Allez, en jeu. Mon Dieu. Le deuxième, bah, pareil, interception, et puis j'ai vu Kefren, et puis après, bah, je l'ai mis dans la course, et puis il a bien fini. Allez, Terem. Allez, Terem, la Madonna, allez. Terem Moffi, Monsieur Bastien, Sif, c'est parti. Terem Moffi, Super Saiyan, les cheveux détachés, le salto, le doublé. Et il célèbre face à la foule. I think it's the victory of everybody. I really would love to have everybody here with me around, the players, the staff, the board, because it was a tough period, and the victory of tonight, I think, is going to repay the unity and the cohesion that we show in this period. So yeah, really happy for the result.